Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous revoir sur Beyond TV. Aujourd'hui, Martine, nous nous situons dans notre bibliothèque d'art. Et depuis l'origine de Beyond TV, lorsque nous parlons d'art, elle nous sert de décor. En fait, j'aimerais parler avec toi de cette question du choix des décors. Pourquoi choisir un décor physique, réel en quelque sorte, alors que nous avons développé Beyond TV dans le monde électronique et sur le web? Le décor est pour moi essentiel à la création. C'est un univers, un environnement qui permet à un projet d'être plus fort, plus audacieux, plus à l'aise dans son projet. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a donc une pertinence à lier le monde connecté, en quelque sorte, au monde physique. Tout à fait. Ce serait une erreur de tout mettre dans le monde électronique. Pourquoi? Parce que la vie est un lien entre le print et le web, entre le web et l'audiovisuel, entre l'audiovisuel et la diffusion. Et tout cela se lie. Il y a des événements dans la vie, il y a des projets, et ces projets sont réels. C'est pourquoi lorsque nous parlons de photos, ben nous choisissons un certain décor. Lorsque nous parlons de cinéma, nous en choisissons un autre. Lorsque nous parlons du monde automobile, nous sommes encore dans un autre type de décor, et ainsi de suite. Mais tu rencontres des personnes, tu rencontres des voitures, tu rencontres le monde physique. D'accord. Nous sommes bien loin d'une simple présentation météo. Tout à fait, je suis d'accord. Et ceci n'est pas une critique, loin de là. Chaque élément est là pour renforcer les autres éléments. Ne les déforçons pas. Et c'est pourquoi nous développons d'autres décors encore maintenant, Martine. Oui. Et qu'il y aura de nombreuses surprises encore sur Beyond TV. Merci à toi pour cela. Merci.